Salutations spéciales pour mes amis, c'est un plaisir pour que nous capables ensemble. Je dis à qui c'est dimanche 6 juin pour nous étudier ensemble première partie dans l'école école sabbat pour semaine. Mais avant même que nous entrions dans l'étude là, on prie le Seigneur. Nous bénissons Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour ce que fait pour nous et pour ce qu'on a réalisé encore dans la vie. Nous. Pour une autre fois, nous voulons étudier parole, nous apprendre par nos bonnes intelligences pour nous comprendre et mettre en application parole. Nous parlons de mérite concernant l'adresse dans nos Jésus. Amen. Semaine, nous avons étudié une très très belle leçon qui dirait comme ça et le sanctuaire de la nouvelle alliance. C'est thème ça tout au cours de semaine. Moi-même ensemble avec vous, nous gagnons pour que nous capables étudier. Et verset pour nous qui tête nous, c'est Hébreux chapitre 9 verset 15. Mais qui ça le dit? C'est peut-être ça. Christ là, c'est un avocat qui établit un nouveau contrat entre bon Dieu avec les hommes. Comme ça, mon bon Dieu relé yo, yo ka recevoir héritage là qu'il a pour tout temps. J'ai bon Dieu te promettre là. Tout ça parce que Christ l'a mouru. Avec mouru, il mouria, il délivre tout le monde en bas chaîne péché, il a été fait sous premier contrat. N'abolit encore. C'est peut-être ça, Christ l'a c'est un avocat qui établit un nouveau contrat entre bon Dieu et les hommes. Comme ça, mon bon Dieu relé yo, yo ka recevoir héritage qu'il a pour tout temps. J'ai bon Dieu te promettre là. Tout ça parce que Christ l'a mouru. Avec mouru, il mouria, il délivre tout le monde en bas chaîne péché, il a été fait sous premier contrat. C'est texte ça nous gagne pendant toute semaine. Non? Pour que ensemble nous capables mémoriser. Je dis à nous pas louer, il y a une leçon qui titré comme ça une dimension relationnelle. C'est leçon ça que nous parlons ensemble jeudi à qui c'est dimanche 6 juin. Mais nous voilà, il y a un texte qui est trouvé dans Lévitique chapitre 26, c'est texte qui nous voilà là. Et Lévitique chapitre 26 verset 11 et 12. M'a prêté dans mitan nous dans caille moyen. M'a toujours content avec nous. M'a toujours là dans mitan nous, c'est moi-même qui a bon Dieu nous, c'est peu moins naïe. M'a voulu dire ça. M'a prêté dans mitan nous dans caille moyen. M'a toujours content avec nous. M'a toujours là dans mitan nous, c'est moi-même qui a bon Dieu nous, c'est peu moins naïe. C'est texte ça qui servit nous comme texte central pour leçon jeudi. Et il y a un peu qui clair à présent dans causer sanctuaire. Et que c'est dans l'ancienne ou bien dans la nouvelle alliance, là, bon Dieu t'a cherché à gagner une bonne relation ensemble avec le peuple. Une relation qui est très serrée, une relation qui est basée sur ça, nous relève l'amour. En fait, l'alliance, surtout, a établi des règles qui définissent le type de relation que nous devons gagner ensemble avec bon Dieu. Dimension relationnelle est essentielle dans le cas d'alliance. Là. Peu importe dans quelle époque qu'elle est, et peu importe dans quel contexte. Cependant, pour que une relation lui-même soit capable de paraître visible, pour qu'il soit capable d'être en vie, il faut gagner une interaction. Okay? Pour que la relation soit en vie, il faut gagner une interaction, il faut gagner une communication, il faut gagner un contact. En particulier pour nous-mêmes qui sommes l'homme, qui sommes des êtres qui pécheurs, des êtres eh bien, faillibles et parfois incrédules. Et il faut que nous connaissions ça. Bon Dieu, puisque lui-même nous connaissait, il prend l'initiative pour que lui-même soit capable de manifester à nous. De manière pour que nous-mêmes, eh bien, nous sommes capables d'avoir une bonne relation ensemble avec lui, une relation qui est riche de sens. C'est-à-dire, bon Dieu toujours voulu maintenir une très bonne relation ensemble avec nous à travers l'alliance qu'il lui-même fait ensemble avec nous. Maintenant, nous allons regarder dans Exode chapitre 25, verset 8. Nous allons regarder, bon Dieu demande pour être capable de construire un sanctuaire. Et qui raison qui fait bon Dieu bailler et bon Dieu te bailler peuple là pour que lui soit capable de convaincre le peuple là pour que lui même tout soit capable d'accord construire un sanctuaire ça. Et pour Exode chapitre 25 verset 8, il y a metté un côté à pas pour moi pour me venir rester dans mitan. C'est-à-dire nous bon Dieu pour mettre peuple là, s'il fait sanctuaire, et bien c'est là et bien bon Dieu lui-même l'a prêté. C'est-à-dire bon Dieu lui-même lui a dans mitan peuple là. Et bien réponse avec question ça, lui soulever une autre question. Pour qui ça? Et bien nous capable dire pour qui ça bon Dieu lui-même lui voulait habiter dans mitan peuple là. Vérité a li trouvé li et dans verset 15 li avant. Dans Lévitique chapitre 26, verset 11 et 12, nous devons être avec ça. Li dit nous, bon Dieu dit la prêté dans mitan peuple là. Bon Dieu pas jamais séparé ensemble avec peuple là. Bon Dieu a prêté là. Bon Dieu pas jamais repoussé peuple là. Et bien nous, remarquez que bon Dieu dit, et bien la prêté dans mitan. Et li pas jamais séparé ensemble avec peuple là. Et c'est ça. Bon Dieu lui-même livré, c'est-à-dire c'est comme ça bon Dieu veut maintenir relation que lui gagne, il veut développer ensemble avec nous. Et il dit la marché dans mitan nous et il y a une bagarre qui va pas être important encore, c'est que il dit n'a peuple et lui-même l'a pas bon Dieu. C'est-à-dire c'est pour raison ça que bon Dieu veut rester dans mitan nous, non seulement pour nous que nous capables
peuple et lui-même pour que il capable bon Dieu nous. Et si nous prêtons attention avec tout élément que nous jouons dans le texte là encore, et bien nous aspect relationnel là, les paraît clairement en tête ça. Non seulement bon Dieu voulait que nous soyons peuple et lui-même en retour, il voulait que nous soyons bon Dieu. Et si nous t'apprenons le soin pour que nous capable relire texte ça ou même pour capable faire, pour capable relire texte qui c'est Lévitique chapitre 26 verset 11 et 12 et Exode chapitre 25 verset 8, gardez pour et bien en tête ça qui différents éléments qui correspondent avec et bien Jean que bon Dieu lui-même l'a cherché établi une relation avec le peuple, c'est-à-dire garder en tête ça, prendre le soin pour voir qui élément important mais qui en tête ça qui montre nous vraiment comment bon Dieu veut établir une relation ensemble avec le peuple et concentrer plus précisément sur passage qui dit comme ça bon Dieu pas bien repousser nous, bon Dieu pas bien séparer ensemble avec nous, il pas bien quitter nous, la prêter nous là. Et pour qui raison sanctuaire, c'était un moyen par lequel l'humanité déchue et pécheresse et bien capable accepter et bien par bon Dieu et pour qui ça et bien ça lui paraît important pour capable conclure une alliance et bien c'est une réflexion ça que vous même ou bien pour faire pendant journée et bien nous allons aujourd'hui à t'a montrer nous que bon Dieu voulait habiter dans le peuple pour qui raison parce qu'il veut peuple à venir tout bon peuple et lui même il voulait bon Dieu peuple ça une dimension et une dimension relationnelle c'était étude pour aujourd'hui avant même que nous allions à nous remercier bon Dieu. Nous faisons louange pour vous, Père, parce que vous méritez ça. Merci parce que vous avez appris nous, ou même vous voulez habiter dans le temps de nous, pour que nous soyons capables de faire une bonne relation ensemble avec vous. Pour que vous soyez capables de nous et en retour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de faire. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole chaque jour, mettez en application et qu'on soit vraiment nous capables de faire pour et vous même capables de faire Dieu. Fais-nous du bien, nous ne pouvons pas mériter de nous, comme ça, Jésus. Amen. Deuxième, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.